Konnichiwa, Minasan, ici Shin Bubblegum, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite mission dans Fallout 3. Alors, dans le précédent épisode, on avait été visiter l'abri 92, et peut-être que vous vous rappelez, mais j'ai trouvé un violon. Et je peux pas m'en débarrasser, je peux pas le jeter ou quoi. Et je me suis un petit peu renseignée sur ce violon. D'ailleurs, je me suis renseignée sur l'abri aussi. Je mettrai dans la description toute l'histoire relative à cet abri. Voilà. Parce que je peux pas tout vous expliquer, ça va perdre trop de temps. Mais l'histoire de l'abri 92 sera dans la description de l'épisode précédent. Voilà. Je vais le mettre ici aussi, comme ça vous savez. Et on a trouvé donc le violon et on va aller à Meresti parce qu'il y a la maison d'Agatha par là. Et Agatha est là. L'heureuse propriétaire de ce violon. Voilà. Et du coup, bah, on va aller lui donner ce violon. Mais personnellement, je l'aurais jamais... je l'aurais jamais su. Voilà. Alors, c'est par là. Il n'y a rien là. Non, il n'y a rien. Ok, et puis en même temps, ça nous permettra de découvrir un petit peu tout ce qu'il y a dans ce coin-là. Parce que je vois qu'il y a plusieurs petits points sur la map qu'on n'a pas encore visité. C'est pas par là. Pas du tout par là. On va juste changer d'arme. On va s'équiper du pistolet laser. Oh. Hey, ouais. Tiens, crème. Tu croyais quoi? Hein? Tu croyais quoi? Doigt. Bon bah on va prendre le doigt, hein. On n'a pas trop le choix. On va monter par là. On ira par là ensuite, vers l'ouest. Des râteaux, même pas peur. Même pas peur. Ok. Ah non, pas un scorpion. Ils font mal quand même les scorpions, hein? Ils font mal. Hop, on continue. Je sais que le fusil laser n'est pas l'outil idéal pour se débarrasser de scorpions. Mais... Alors, capsule, cartouche, quoi? Doigt, pas quoi? Fusil de chasse, où est l'autre? L'autre, il est mort ici. Ah ouais, doigt, massue. Je ne pense pas que j'aurais besoin de la massue, en fait, parce que j'ai une super massue. Eh bien, on collectionne les doigts, et un jour, quand on en aura plein, on ira voir ces mercenaires qui demandent des doigts. Est-ce que c'est là? On va aller par là. Parce que c'est au nord-est de Meresti. Meresti, pardon. Pas Meresti. Meresti. Normalement, c'est... Ah! Est-ce que c'est de l'autre côté de ce pont bizarrement dangereux? Pic, pic, pic. Bonjour. Maison d'Agatha, on a trouvé, on peut retirer ceci. Oh, lovely.
Bonjour Agatha! Olivia, je ne m'attendais pas à de la visite. Eh bien, vos voyages ont l'air de vous user. Oh, j'en oublie les bonnes manières. Je m'appelle Agatha et je suis ravie de faire votre rencontre. Enchantée. Alors, qu'est-ce qui vous amène jusqu'à... C'est drôle, j'allais poser la même question. Explorer. Je préfère m'occuper de mes affaires et je vous invite à en faire autant. C'est drôle, j'allais poser la même question. Non, ne vous en faites pas pour moi. Je me débrouille très bien ici. Mon mari, père, son âme, a fait en sorte que cette maison soit bien protégée des éléments et des habitants des terres des hommes. Votre mari est mort? Désolé. Je suppose que les visiteurs sont rares. Oh, bouhou, les gens meurent de tout le temps. Non, je suis désolée. C'est gentil à vous. Oui, il est décédé. Après avoir construit cette maison, nous y avons vécu heureux de nombreuses années. Comme c'est mignon. Nous avons décidé de nous couper de l'extérieur et de vivre tous les deux. Vous n'avez sûrement pas coupé tout contact. Une frêle vieille dame comme vous ne devrait pas traîner toute seule. Une vieille dame toute seule, hein? Vous avez des trucs de valeur? Besoin de quelque chose? Vous avez sûrement pas coupé tout contact? Oh, bonté divine, non! Une caravane de marchands passe par ici toutes les semaines à peu près. Ah, est-ce que vous pourriez avoir. Qu'est-ce que vous pourriez bien avoir à troquer? Ça allait risquer si la caravane n'arrivait jamais. Du troc, il n'y a rien ici. Vous faites du le tapin ou quoi? Qu'est-ce que vous pourriez bien avoir à troquer? En plus d'un abri. Eh bien, je divertis les gens. Je joue de la musique sur mon violon artisanal et les gens me paient en marchant. Si les gens ne sont pas là, j'utilise le vieil émetteur de mon mari. Les gens des caravanes disent que ça leur donne le moral la nuit. J'imagine qu'un violon fait maison n'est jamais accordé. Oh, quelle perspicacité. Oui, c'est exactement mon problème. Il ne joue pas toutes les notes correctement et je dois le bricoler en permanence. La radio de votre mari émet dans toutes les terres désolées de la capitale? Oui. Il était très fier de son installation. Il a bricolé ce truc pendant des années avant de réussir à le faire marcher. J'ai essayé de l'utiliser pour obtenir ce dont j'avais besoin, mais je n'ai jamais reçu de réponse. Vous avez fabriqué vous-même un violon, hein? Impressionnant. Merci. Mon mari avait ses passe-temps, mais je crains que mon unique hobby ait été de fabriquer cet instrument de forme. J'aimerais beaucoup le remplacer par quelque chose de mieux. Je peux faire quelque chose pour vous aider? Puisque vous le proposez, oui, en effet. Mes activités dépendent de mon violon. Sans lui, je ne peux pas jouer. Impossible de faire de la musique. Si vous pouviez m'apporter un autre violon, un meilleur, je me sentirais plus à l'aise. Ça tombe bien. Un violon, pas vraiment le genre de truc qui survit aux bombes. Ça m'intéresse, mais qu'est-ce que vous me donnez en retour? Je peux vous trouver une pierre lunaire si vous avez de quoi payer. Ça m'intéresse, vous me donnez quoi en retour? Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, je n'ai rien de valeur. Enfin, rien n'ayant une valeur matérielle. Tout ce que je peux vous offrir, c'est la même chose qu'aux caravanes. La fréquence de ma radio et la promesse d'une belle musique. Oh, tour de fan, si vous aviez quelque chose pour m'aider à survivre, beauté. Discours, je veux bien vous aider, mais cherchez, ça coûte cher. Surtout que j'ai déjà le violon sur moi en fait, hein, et j'ai failli risquer ma vie, je suis mort deux fois? Une fois, je sais plus. Écoutez grand-mère, parler c'est efficace, mais trouver des trucs, non. Très bien, je vous promets tout pour faire, pour vous trouver un violon. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Vous avez de la chance, on dirait que j'ai déjà ce que vous cherchez. Bon sang de bois, vous voulez dire que vous avez trouvé un violon? Oui, prenez ce violon, je l'ai trouvé dans l'abri 92. Mon dieu. Il faut que je le voie, s'il vous plaît. J'ai l'impression de tenir un fragment d'histoire entre mes mains. C'est incroyable, réellement incroyable. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. J'aimerais avoir quelque chose à vous donner pour mieux vous récompenser de vos efforts. Tout ce que je peux faire, c'est vous donner la fréquence de ma radio. Écoutez-la quand vous aurez envie d'entendre une vieille femme jouer du violon. C'est pas le genre de truc qu'on a souvent envie, mais ok. Quête achevée, chanson d'Agatha. C'est une quête que j'ai même pas commencée, hein. Du coup, on va voir cette radio. Radio de l'enclave, bah non. Asseyez-vous un moment et
Comment ça va, Agatha? Vous jouez en direct à la radio tout le temps, ça doit être épuisant. Comment ça va? Beaucoup mieux ces derniers temps, merci. Avec le retour du Stradivarius de soir, tout a changé. C'est comme si un vieux parent était revenu à la maison. Vous jouez en direct à la radio tout le temps, ça doit être épuisant. Oh, ne dites pas bêtise. J'enregistre tout ce que je joue sur les machines du matériel radio de mon mari. Comme ça, vous pouvez entendre de la musique quand vous voulez, et moi, je peux dormir autant qu'il le faut. Vous voulez bien jouer du violon pour moi? Oh, absolument, c'est le moins que je puisse faire pour vous remercier. Faites-vous cela? Si vous regardiez où vous mettez les pieds. Ah, pardon, hein? Vous êtes un ravissement pour mes pauvres yeux. Vous devriez écrire vos morceaux afin de les préserver pour l'avenir. Eh bien, je suppose, mais ce ne sont pas mes morceaux. Je n'ai pas beaucoup d'imagination. C'est sans importance, le temps efface tout. Vous avez raison. Je ne suis pas née d'hier et un de ces jours, je vais disparaître. Oh, et si j'étais la dernière personne sur Terre à connaître ces morceaux? Peut-être, oui. Si tous les enregistrements avaient été détruits, ce serait dommage qu'une aussi belle musique disparaisse. Qu'est-ce qu'il vous faut pour ça? Attends, je n'ai besoin que de deux choses, ma caboche et du papier à musique. Du papier à musique, laissez-moi deviner, vous n'en avez pas? Du papier, pourquoi pas l'enregistrer sur un holodisque? Regardez autour de vous. Vous voyez des ordinateurs et des bidules compliqués. Mon mari et moi, on n'y a jamais rien compris. La chose la plus compliquée que j'ai est l'installation radio et la date de bien avant la Terre. Il me faut du papier. C'est tout ce que je sais utiliser. Vous pouvez m'aider? Bien sûr, je vais trouver du papier. Eh bien, merci. Vous avez déjà fait tellement pour moi. Je ne sais pas quoi dire. Si vous trouvez du papier, revenez quand vous voudrez. Il n'y a pas d'urgence. Vous avez une idée de l'endroit où je peux trouver du papier de la musique? Ça m'étonne que vous n'en ayez pas trouvé dans la rue 92, puisqu'il était occupé par des musiciens. Vous pourriez demander à tous les marchands et fouiller les terres désolées. Peut-être que vous aurez de la chance un jour. Ouais. Je vais y aller. Bon voyage. Pas dormir. Signal radio d'Agatha. Je dédie ceci à tous ceux qui prennent le temps d'aider ceux qui en ont besoin. Profitez de cette Je suis pas une grande fan de violon, mais je suis quand même contente d'avoir une fréquence radio supplémentaire. Bon, on va aller par là. Voilà, parce qu'il y a un point sur la carte et on n'a pas encore été par là. Et du coup, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce que c'est? Pouc.
Même pas mal. Je pourrais me casser les genoux, ça ne me dérangerait pas. Alors. Ouh, une église. Comme quoi, on n'a pas fini de tout découvrir dans le nord. Les grosses mouches là. Je veux dire dans le jeu. En vrai aussi, on a pas de moustiques dans la maison. Cimetière de Hallowed Midgard. Cimetière. Où voyez-vous un cimetière? Je ne vois pas de pierre tombale. Bonjour. Je suis en vie, je n'arrive pas à croire, je suis en vie. Tenez, j'ai réussi à cacher ça avant qu'il ne m'attache. Ne refusez pas, c'est la seule chose que je peux faire pour vous remercier. Merci, non, merci maintenant du vent. Journal. Mini nuque. Alors, cartouche. Cartouche. Et apparemment, il n'y a rien de plus ici. Ah, ah, j'ai ramassé des crânes mutilés. Burk. Burk, burk, burk. Burk, 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 burk. Ok, on va juste retourner à la maison d'Agatha. Parce qu'il y avait un autre point sur la map qui est apparu. Et Ben, vous me suivez? Content de vous revoir. Est-ce que vous me suivez, Ben? Que faites-vous ici? Il était à Paradise Falls aussi, le gars. Je sais pas ce qu'il fait. Il me suit ou quoi? C'est trop flippant. Oh non, le Cerebro m'a vu. Zut alors. Aouh. Cellule énergétique. Cellule énergétique. Toi, crève. Voilà. Et on continue par là. Voilà. On va sauvegarder. Je suis devenue une maniaque de la sauvegarde. Il faut que je sauvegarde toujours tout. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Casse. Et qu'est-ce qu'on trouve à la casse? Plein de trucs. On va fouiller les poubelles.
Il y a quelqu'un. Ah, et un autre point qui est apparu là. Bonjour. Eh ben, tu as perdu ton maître. Tu sais, je crois que tu es le premier chien qui n'essaie pas de me bouffer. Tu es plutôt gentil, pas vrai, le chien? Oh, il est trop mignon! Le chien! C'est la première fois que je trouve le chien. Hein, j'ai joué ce jeu au moins 36 000 fois. C'est la première fois que je trouve le chien. J'avais jamais trouvé la caisse d'ailleurs. Tu es plutôt gentil. Si je te prenais avec moi, ça t'appellerait le chien? Oh, on a adopté un chien, bon chien! Kenigo, il faut que tu trouves quelque chose pour moi. Des munitions, trouve la dope, trouve la drogue! Trouve à manger. Trouve-moi une arme. Laisse tomber. Cristal des chiens, ne bouge pas avant mon retour. C'est trop dangereux ici, va m'attendre à l'abri 101. En route! Minute de moto. Vodka! Capsule cartouche plat. Ah, la pâté de fin jeu! Ne m'aide plus. Le mail est plus délicat de toutes les terres. Désolé! Canigou! Ah, grenade! On va aller par là. Canigou? Toutou! Est-ce qu'il est blessé? Non, ça va. On va faire le tour. Mais on va le ramener chez nous, en fait. Je vais sauvegarder. J'ai pas envie de perdre Canigou. On peut pas le renommer? Ce serait dommage. Non, Canigou, c'est très mignon comme nom. Hop, on va aller par là. Yala, suis ton maître. Sois sage. Et... il est pas très discret en fait. Alors. On avait trouvé un petit point. Par là. Ok, on va y aller. Oh le beau toutou! Je suis contente, hein? Je suis contente, je vais jamais, jamais, jamais trouver Canigou. Et ça me fait vraiment plaisir. J'adore les chiens. Oh, non! Bon, j'ai planté. Heureusement, j'ai sauvegardé juste au moment où j'avais trouvé le chien. Mais ouais, bon, non. Je crois que je vais laisser ça là. Je crois qu'on va se laisser là du coup, les amis. Cet épisode sera particulièrement court à cause de cette coupure. Mais de toute façon, il est presque midi au moment où je tourne. Et du coup, je vais aller manger. Et après, je vais aller chasser encore des Pokémon. Vu que c'est la période des Pokémon légendaires. Au moment où vous verrez cette vidéo, celle-ci, je serai plus à Bruxelles. Je serai à Amsterdam pour un événement Pokémon. Et du coup... je ferai peut-être un petit vlog, je sais pas encore trop, mais vous verrez bien lundi quand je serai revenue, s'il y a du nouveau ou quoi. Et probablement qu'il n'y aura pas de Pokémon Y le lundi,
Mais vous verrez bien, je vous tiens au courant avec un petit message sur, sur Facebook ou quoi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like pour le petit Canigou et pour le violon d'Agatha. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à partager la vidéo, ça fait... Ouais, j'ai le hockey là. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également pour plus de Fallout 3 dans un futur proche. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!